Bonjour, Joule Jeu présente aujourd'hui le jeu Pau. Alors je ne l'ai plus, je vais le récupérer bientôt. Mais là, eh ben, j'ai décidé, comme j'avais envie d'y jouer, et puis de vous présenter la règle, d'en fabriquer un. Donc, dans ce jeu-là, vous aurez des dés avec une face bouclier, une face tête de mort, une face point d'exclamation orange, une face point d'exclamation bleu. Donc vous avez 10 boucliers, 10 têtes de mort et 5 points d'exclamation bleu. 5 points d'exclamation orange. Vous aurez ensuite des cartes de super-héros qui marquent des points positifs et des cartes de super-méchants qui marquent des points négatifs. Donc en début de partie, on va installer, si vous avez une assez grande table, vous mettez une ligne de 10, sinon deux lignes de 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, de 6 pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dans ce jeu, on va donc essayer d'avoir le plus de points, c'est-à-dire récupérer le plus de cartes super gentilles. Sauf que si vous récupérez des cartes super gentilles, eh bien il faudra qu'elles soient équilibrées par des super méchants. Donc, c'est-à-dire que si vous avez 4 cartes bleues, eh bien, il vous faudra récupérer 4 cartes oranges, car si vous en récupérez moins, vous défausserez autant de cartes bleues qu'il vous manque de cartes oranges. Prenons l'exemple, vous avez 4 cartes bleues en fin de partie, 2 cartes oranges, eh bien, vous serez obligé de laisser de côté les 2 cartes bleues que vous avez, qui sont sur le haut de votre tas. Car lorsqu'on récupère les cartes, on les met en tas. Un tas de valeurs positives, un tas de valeurs négatives. Alors, à son tour de jeu, chaque joueur va lancer les dés. Il va les lancer une première fois, sélectionner ceux qui l'intéressent, car il aura le droit à un deuxième et voire même un troisième lancer. Sauf que à chaque lancer, on doit bien entendu garder un dé. C'est-à-dire qu'au premier lancer, je dois obligatoirement garder au moins un dé si je veux relancer un deuxième lancer. Je garde un dé, ou plusieurs bien entendu. Au deuxième, pareil, hein, je suis obligé de garder au moins un dé si je veux effectuer un troisième lancer. Donc, les faces boucliers bleus permettent de prendre des super gentils. Les faces tête de mort, eh bien, permettent de prendre des super méchants. Le point d'exclamation orange permet de prendre chez l'adversaire, à condition qu'il y en ait 3 chez un adversaire, un super méchant. Et le point d'exclamation bleu sert à prendre un super gentil chez un adversaire, à condition qu'il y en ait au moins 3. Si il y a 4 ou 5 points d'exclamation, eh bien on a le droit de prendre un super gentil pour les bleus ou un super méchant pour le orange chez l'adversaire, et là on va pouvoir lui dire lequel on veut, c'est-à-dire s'il a une pile de plusieurs super gentils ou super méchants, on va lui dire bah, par exemple moi je veux le deuxième super gentil, donc on prendra le deuxième super gentil, on va lui dire je veux le troisième super méchant et on prendra le troisième super méchant dans la pile. Ça c'est lorsqu'on a 4 ou 5 points d'exclamation. Alors, bien entendu, on n'a pas le droit de fouiller dans la pile de l'adversaire. Il faut se souvenir dans quel ordre il a entassé ses super gentils et ses super méchants. Donc, lorsqu'on prend, hein, lorsqu'on a plus de 3 points d'exclamation, c'est-à-dire 4 ou 5, on dit à l'autre joueur, eh bien, 3. Alors, ça veut dire qu'il a plus de 3 tuiles, hein, ou qu'il a 3 tuiles. Et à ce moment-là, je compte à partir du haut. Hein, la première, la deuxième, et je prends la troisième. Voilà, eh bien, on va commencer une petite partie pour que vous assimiliez un peu mieux les règles. Alors, on va jouer avec Lulu, Patoche, Vanou et Toff. Donc, petite pyramide pour montrer qui joue, c'est Lulu qui commence à jouer. Donc, il lance les dés. Il a 3 points d'exclamation orange, une tête de mort, 3 points d'exclamation, 2 orange, 1 bleu, une tête de mort, un bouclier. Ici, il va mettre de côté 3 lancers, donc un dé de côté. Là, il va mettre les 3 boucliers et il va relancer
les deux dés. Donc là, il a trois boucliers, deux têtes de mort. Donc il va pouvoir prendre la première, la deuxième ou la troisième bleue. Donc il va prendre la troisième car c'est un plus 6. On va par la même rapprocher les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors il n'a plus que 11. Et puis il peut prendre le super-héros, le premier, ou le un super méchant, pardon, le premier ou le deuxième. Il décide de prendre le premier car il a moins 1. Et on repousse les cartes. Voilà. Et c'est au tour de Patoche de jouer. Donc Patoche lance les dés. Il récupère 2 bleus, 2 têtes de mort. Bon, il décide de garder les bleus, de relancer les 3 autres dés. 2 bleus, 2 têtes de mort. Il décide de relancer les 3 autres dés. 4 bleus. Un point d'exclamation, donc il ne lui sert à rien puisqu'il en faut 3 minimum. Donc 4, 1, 2, 3, 4, il a le choix dans ses 4 cartes. Il va prendre la plus 5 et décaler les autres. Son tour est terminé, c'est à Vanu. Alors, ainsi, lors d'un deuxième lancer, le joueur ne lance qu'un dé, eh bien, il n'a pas le droit de faire un troisième lancer. Donc, c'est donc à Vanu. Vanu obtient 3 têtes de mort, un bouclier et un point d'exclamation. Il va décider de récupérer les 3 têtes de mort, 4 têtes de mort, 5 têtes de mort. Donc, il décide de récupérer, de garder les 5 têtes de mort. Donc, 5 têtes de mort, il a le choix 1, 2, 3, 4, 5. Il va donc prendre la moins 1. Bon, on va les laisser comme ça. Celle-ci, ça change pas grand-chose. Donc ici, c'est à Toff. 2, 3, 4, 5 têtes de mort. Eh bien, il décide de ne pas relancer. 1, 2, 3, 4, 5. Comme de toute façon, il faut des négatifs à des super méchants pour avoir des super gentils, il décide de prendre un super méchant qui ne compte pas trop de points. Donc, qui n'enlève pas trop de points. Ici, Lulu. Eh bien, Lulu a 2 bleus et 3 oranges. Alors, il va regarder 2 bleus plus 2 plus 4, 3 oranges. 1, 2, 3, moins 5, moins 3, moins 6. Bon, ben, il se satisfait. Il va prendre moins 3. Et il va prendre le deuxième. C'est au tour de Patoche. Donc pour l'instant, pas de point d'exclamation pour prendre aux autres. 2 bleus, 2 oranges, un point d'exclamation. 2 bleus, donc entre celui-là et celui-là. Le plus 2, plus 4. 2 oranges, moins 5. Moins 5, moins 6. Bon, il décide de relancer. Donc, deuxième lancé, il a un dé. Bon, il n'a plus le droit au troisième lancé. Donc, il est obligé de prendre au moins un super-héros. Et bien, il décide de prendre le plus 4 bleu. Et le moins 2. Non, il ne peut pas. Bon, ben, il décide de ne pas prendre de orange. Bon, il aurait fait encore une tête de mort orange. Il aurait pris le moins 2. Parce qu'il faut des plus et des moins dans le jeu. Alors, c'est à Vanu. Vanu obtient 1, 2, 3, un point d'exclamation orange, un point d'exclamation bleu. Donc, 3 bleus, Vanu, et bien 1, 1, 2, 3, plus 2, plus 5, plus 3. Bon, il va décider de relancer les 2 dés. 4 bleus. Allez, il décide de relancer le dé, 5 bleus. Donc il a lancé 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Il a le choix entre tout cela. Il regarde celui qui a la valeur la plus importante. Plus 5. Il le prend. Voilà. Ainsi se déroule la partie. Et ensuite, à la fin, eh bien, alors, imaginons quand même qu'un joueur fasse... Alors, ce soit à Toff de jouer. Et qu'il fasse 3, 4 points d'exclamation.
donc à 3 points d'exclamation bleue, eh bien, donc une tête de mort, ça lui permettrait de prendre le premier moins 5, mais ça ne l'intéresse pas. 4 bleus, il peut choisir dans une pile. Alors on les met bien par-dessus, hein, normalement, pour ne pas que les autres joueurs les voient. Afin que les autres s'en souviennent. Donc par exemple, ici, Toff, eh bien, peut demander pardon, à un joueur une de ses tuiles et lui dire laquelle. Donc il se souvient par exemple que Lulu, eh bien, sa deuxième tuile, c'est-à-dire pas la première qu'on voit, mais la deuxième, est un plus 6, eh bien il va lui dire, Lulu, je veux la deuxième tuile, numéro 2 chez toi. Donc 1, 2, et Toff récupère. Voilà, ensuite, eh bien, à la fin de la partie, on compte les points. Donc pour compter les points, on va mettre les cartes afin que vous puissiez bien voir. Ici, 5 bleus, 2 oranges, donc les 3, hein, puisqu'elles étaient au-dessus, celles-ci sont enlevées. Ici, 3 oranges, 4 bleus, donc celle-ci est enlevée car elle était dessus. Ici, ben les oranges, de toute façon, elles sont plus nombreuses que les bleus, mais peu importe, ça on a le droit. Et ici, de bleu et plus de orange. Donc ici, 3 et 3, 6. 6 moins 3, 3. 3 moins 4, moins 1. Moins 1, moins 4, moins 6. Donc moins 6 plus 6, ça s'annule. 4 et 1, 5 points pour Lulu. 6 et 2, 8 et 4, 12. Moins 12 plus 6, eh bien ça fait moins 6. Moins 1, moins 6, moins 12, moins 17. Plus 2, moins 15, plus 5, moins 10. Alors on peut faire plusieurs parties et puis noter les points. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle où nous vous présenterons un nouveau jeu.